Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la vidéo du lundi pour le concours de la Saint-Valentin. Alors voilà, il y a déjà Fifi qui vient m'embêter. Hop, ici, tu seras mieux. Alors, j'ai reçu cette semaine pas mal de cartes pour le concours. Voilà, vous voyez. Donc, je vais vous les présenter. Donc comme d'habitude, vous pouvez toujours encore m'envoyer des cartes, le concours est toujours d'actualité, il n'y a aucun problème. Donc je vous remettrai le lien, voilà, on va reculer un petit peu, Fifi, elle prend toute la place. Le concours est toujours d'actualité, comme je disais, donc je vous remets les liens sur la vidéo ici, à la fin de la vidéo et en barre d'infos, comme d'habitude. Comme ça, vous pourrez vous y inscrire. Si vous êtes bien sûr abonné à ma chaîne, vous pourrez encore vous y inscrire. Donc, c'est le concours de la Saint-Valentin. Donc, je vous rappelle les règles. Il suffit juste de m'envoyer une carte sur le thème de la Saint-Valentin que vous faites vous-même. Et donc, le concours est ouvert jusqu'au 10 février. pardon. Désolée. J'ai un chat à la gorge. Et il y aura donc un tirage au sort le week-end du 10 février, je ferai la vidéo. Et le 14 février, vous connaîtrez le nom des deux gagnantes. Donc les deux gagnantes gagneront un lot de chez Action. Un lot que vous, je cherche le mot, que vous ne connaîtrez pas. Un lot, et ça y est, dites, t'as oublié ces mots, mince. Bon, allô Action, voilà, je cherche mon mot, je ne le trouve pas. Allô surprise, voilà, ça y est. Donc là, j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes cette semaine. Eh ben, désolée, j'ai la voix qui part en vrille. Donc comme d'habitude, je les ai laissés sous enveloppe, comme ça je garde vos adresses pour certaines, parce qu'il y en a qui n'ont pas mis leurs adresses, mais bon, c'est rien, si c'est une d'entre elles qui est gagnante, c'est rien, je prendrai contact avec la personne pour qu'elle me donne son adresse si je ne l'ai pas. Et j'ai donc numéroté les enveloppes au fur et à mesure que je les ai reçues, comme ça c'est plus facile pour moi quand je ferai le tirage au sort. Donc la première, donc c'est la carte numéro 5. Elle vient de Catherine, donc une très jolie carte, donc bien sûr sur le thème de la Saint-Valentin. Hop. Donc oui, Catherine, je vous la montre, voilà, toute mignonne. Donc derrière, elle m'a mis un petit tampon marqué « Fait avec », donc il y a un cœur, donc « Fait avec amour ». Donc j'aime bien, avec des petits cœurs faits en 3D. Ici il y a un petit ruban. Elle est vraiment toute mignonne. Avec des tampons. Des petits tampons love. Et donc à l'intérieur elle m'a mis un petit mot à part. Alors coucou Didith. Voici ma carte de Saint-Valentin pour ton concours. Dont je suis très heureuse de participer. J'espère qu'elle te plaira. Oui, elle me plaît beaucoup. C'est la première fois que je t'envoie quelque chose, j'espère en faire plus, plus d'échanges. Il n'y a aucun souci. Hein. Bonne découverte et à bientôt. Bise de scrappeuse, Catherine. Voilà. Donc, merci Catherine pour cette jolie carte. Voilà, je vous la remonte. Elle est très très belle. Donc, je la remets dans son enveloppe pour ne pas la perdre. Donc, la carte numéro 6 qui me vient de Rebecca. Alors, Rebecca, donc je vérifie, oui, c'est Rebecca M. Voilà, donc avec un grand love et une image de rose découpée avec un dies. Hein. Voilà, très jolie, avec des petits cœurs, des demi-perles en forme de cœur. Un love fait avec un papier folle, brillant. Et derrière, pareil. Donc, elle m'a mis des demi-perles. Là, je ne sais pas si vous les voyez bien. Plein de petites demi-perles sur la carte.
Et à l'intérieur, elle a. Je sais pas si c'est. Je pense que c'est de l'aquarelle qu'elle a dû mettre. Voilà. Et elle écrit Bonne Saint-Valentin. Alors, Rebecca, merci beaucoup pour ta carte. Elle est très jolie également. La carte numéro 7. Alors, elle vient de Sandra. Donc, déjà sur son enveloppe, elle avait mis un joli washi tape. Donc là, elle est très jolie aussi, un peu vintage, même beaucoup. Voilà, sur le thème du cinéma. Alors, ici, sur la première partie, elle est marquée Bonne Saint-Valentin. Voilà, avec un négatif de film. Et elle m'a écrit. Coucou Edith, voici ma carte de Saint-Valentin sur un thème que j'adore, le cinéma vintage. Je profite de cet envoi pour te souhaiter une bonne et heureuse année. Moi également, on peut encore souhaiter la bonne année. Merci beaucoup. Mais surtout une bonne santé. Oui, merci beaucoup. Donc bisous Sandra. Voilà, donc elle m'a même mis son adresse. Voilà, je vous remontre sa carte qui est très très belle. J'aime beaucoup le vintage. La carte numéro 8, alors qui me vient de Anna, avec un grand cœur marqué Love, et là un petit cœur un peu en. C'est pas du tissu, mais c'est un peu en relief. Voyez. Donc elle est très très jolie aussi, avec une petite étoile brillante. Ah, qui m'a mis également des washi tape. Merci beaucoup pour les washi. Ça me fait beaucoup plaisir. Alors, bonjour Edith, voici donc ma participation pour le concours Saint-Valentin, ainsi qu'un petit truc en plus pour toi. Donc merci beaucoup pour les washi, ils me serviront pour dans mes planeurs. J'espère que les préparatifs du mariage avancent bien. En tout cas, je suis ravie pour vous deux. Merci beaucoup. Oui, ça avance. Et donc, c'est Anna. Et donc, son pseudo, c'est Anna Création. Elle m'a marqué gros bisous. Bah, écoute, Anna, merci beaucoup pour ta carte. Elle est très jolie également. Voilà, vous voyez, elle brille bien. Pareil, on va la remettre dans son enveloppe. Ah. Voilà. Et donc elle m'a remis aussi sur l'enveloppe un joli washi doré. La carte numéro 9, donc qui me vient de Génie d'or. Alors, une carte très joliment décorée, pareil, avec pas mal de découpes faites avec des dies. Voilà. En rouge et noir, comme dirait la chanson. Coucou Edith, voici ma participation pour ton concours sur la Saint-Valentin. J'espère qu'elle te plaira. Elle me plaît beaucoup. Car je n'ai pas l'habitude de faire des cartes, mais je commence à y prendre goût. Eh bien, c'est très bien si j'ai pu te donner le goût de faire des cartes. C'est très bien. À bientôt sur YouTube. Donc, son nom, c'est Jenny L. Bah écoute, elle est très très belle. Si tu n'as pas l'habitude d'en faire, et bah écoute, c'était un très joli début. Très bien. La carte numéro 10. Alors, la 10 vient de Nathalie. Alors. La voici. Hop. Donc c'est avec un. Ça, c'est un. Ça vient d'un carnet de chez Action, je crois, ne pas me tromper. Avec un petit tamponnage derrière. Je ne sais pas si vous le voyez bien.
Donc, elle m'a mis une petite carte et elle a fait des petits cœurs à la perfo sur chaque coin. Alors, elle me présente ses vœux pour l'année 2018. Je te les retourne également, tous mes vœux pour cette année. Elle débute en scrap. J'espère que cette modeste carte te plaira. Elle me plaît très bien et est très très jolie. Merci pour ton concours ainsi que pour tes vidéos. Bisous d'une ch'ti scrappeuse. Ah, donc tu es d'une. Ah, bah oui, Orna. Effectivement. Eh bien, écoute, ta carte, même pour une débutante, elle est très très belle. Même dans les coins, vous voyez, elle a fait avec la petite perfo, avec des petits cœurs. Voilà. Ta carte est très jolie également. Merci beaucoup. La carte numéro 11. Alors, qui me vient de Dorothée. Alors là, elle est très jolie. Alors, par contre, je vais essayer de vous montrer. J'ai trouvé ce. Alors, je vais essayer de vous la montrer. J'avais jamais vu comme c'est fait comme ça. Vous voyez? J'ai du mal à faire tenir. Parce que le tenir comme ça, il faudrait que je le tienne à plat, vous voyez? Ça vraiment super sympa et j'avais jamais vu comme ça. Voilà, voyez, donc j'en ai encore un à mettre. Hop. Bon, il faudrait que je sois à plat sur la table, mais avec Fifi qui est devant moi, donc voyez, ça fait, on les plie comme ça, voyez. Mais alors là, j'avais jamais vu ce système là. Ben écoute, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, j'ai du mal à faire tenir, mais Fifi, la grosse Fifi qui est devant moi. Voilà. Alors celle-là est vraiment très, très jolie. Elles sont toutes jolies, mais c'est le système que j'aime beaucoup. En la tenant bien à plat, voilà. Voyez? Elle est vraiment très très belle. Bon. Chaque fois j'en mets un, et un. Voilà. Enfin, vous avez compris le système. Elle est vraiment très belle. Alors, je vous montre maintenant sur le dessus. Alors, je vais replier. Voilà. Ce que c'est. Les petits papillons. Est vraiment très très belle. Donc c'est Dorothée. Donc elle me. Alors je vous envoie ma participation au concours de la Saint-Valentin organisée sur votre chaîne. J'espère que ma création vous plaira. Donc oui, elle me plaît beaucoup et elle est vraiment très originale. Surtout ne changez rien à vos vidéos, elles sont une énorme source d'inspiration. Bah écoute, si c'est moi qui t'ai inspiré ce style de création, bah écoute, j'en suis vraiment très heureuse parce que là, comme on dirait, l'élève a dépassé le maître parce que vraiment là, j'aurais vraiment pas pensé à faire comme ça. Alors vraiment un grand, grand bravo. Donc, merci beaucoup Dorothée. La carte numéro 12, donc qui me vient de Christelle. Donc, qui a mis une feuille pour protéger, et eh bien voilà, il m'a fait une grande carte marquée Saint-Valentin avec des découpes de cœur, un cœur avec des ailes. Derrière, une jolie découpe comme ça, blanche, avec des oiseaux, des cœurs, des fleurs. Un petit tamponnage marqué 100% fait main.
Et à l'intérieur, donc, Edith, voilà la carte pour le concours de la Saint-Valentin. J'espère qu'elle te fera plaisir. Continue tes vidéos. On regarde maman et moi avec plaisir et on apprend beaucoup de choses. Câlin à Fifi et aux autres animaux. Pousse-toi, hein, Fifi, justement. Gros bisous, Christelle et sa maman Madeleine. Ma chaîne YouTube et Instagram, c'est Abio Christelle. Ben, écoute, Christelle et Madeleine, du coup, merci beaucoup pour ta carte. Hein, merci beaucoup à toutes les deux. Ta carte est vraiment très, très jolie. Et merci beaucoup à toutes les deux de regarder ma chaîne. Donc, ça, c'était donc la carte de Christelle. La carte numéro 13, donc Isabelle. Donc Isabelle, c'est ma poulette, que je vous parle de temps en temps dans mes vidéos. Donc une carte vintage, voilà. Il est joli rose, une découpe clé et une image 3D vintage. Voilà, et elle a fait un embossage. Alors, une petite carte pour ton joli concours en espérant que je gagne un jour. Je te le souhaite aussi, hein, ma poulette. Voilà. Donc, une très très jolie carte également. La 14e carte, donc, de Tite Lily. Ah, qui m'a mis elle des découpes en plus, je vais vous les montrer. Donc, voilà sa carte avec une découpe en cœur, très jolie, très fine. Un tag, ici avec un cœur, avec un petit embellissement en métal, là, avec une demi-perle et des petits tamponnages. Voilà, ici. Une découpe, une tasse à café avec des cœurs qui font la fumée. Coucou, belle Edith. Oh, merci. Voici ma participation pour ton concours Saint-Valentin. J'espère que cette carte te plaira. Je te fais gros bisous et te dis à bientôt. Donc, bisous Cindy. Donc, petite Lily pour YouTube ou Facebook, puisque c'est son pseudo sur Internet. Donc, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour les découpes. Donc là, j'aime beaucoup la première découpe. Regardez, elle a mis un petit corset. Voilà. Et d'autres découpes en forme de cœur. Alors, je regarde si j'ai encore assez de batterie. Parce que j'ai oublié de recharger ma caméra. Là, un joli petit corset, comme ça. Non, ça s'est recollé. Un joli tag comme ceci en cœur et des cœurs bien sûr. Bon, celui-là il est super beau, très fin. Allez. Et plein de petits cœurs. Et celui-ci, super beau, là c'est plein de petits cœurs. Mais écoute petite Lily, merci beaucoup pour les découpes que tu m'as mises en plus, elles sont très très belles et le petit corset là j'adore. Et la dernière carte, je crois que la dernière de la semaine, donc la 15e, qui me vient de Solange. Donc c'est bien, elle a mis une petite mousse pour pas que ça s'abîme. Voilà, très jolie aussi avec des demi-perles strass. Elle a mis des petites paillettes avec de la colle, écrit Saint-Valentin. Tout mignon également.
Et on a mis un petit mot à l'intérieur. Chère Edith, voici la carte que j'ai faite avec du matériel de récupération. C'est très très bien. C'est la première fois que je fais ce genre de loisir créatif. Elle ne correspond pas à celle dont je rêvais. Elle est naïve et je te demande beaucoup d'indulgence. Bisous, bise, Solange. Bah écoute, moi je la trouve très très belle. Et en plus, si tu l'as fait avec de la récup, écoute, eh ben, c'est très très bien. Non, moi je la trouve très jolie. Voilà. Voilà, c'était les cartes que j'ai reçues cette semaine. Je sais que d'autres cartes sont sur le chemin pour arriver chez moi. Écoutez, bah, je suis très heureuse de recevoir autant de cartes. Alors, je sais que cette semaine, on m'a demandé ce que j'allais faire de toutes ces cartes par la suite. Alors, je vais voir après, suivant le nombre de cartes que j'aurai, je vais très certainement m'acheter un grand cadre. Je verrai la taille du cadre par rapport aux cartes que j'aurai reçues. Et je vais certainement me faire un grand cadre avec toutes vos cartes que je mettrai dedans et que je mettrai au mur dans mon atelier. Voilà, comme ça j'aurai toutes vos cartes sur mon mur dans mon atelier. J'aurai un petit bout de chacune de vous à chaque fois que je serai dans mon atelier. Comme ça, ben, j'aurai une petite pensée pour vous toutes à chaque fois que je serai dans mon atelier. Voilà, donc quand j'aurai tout reçu, ben, vos cartes seront toujours avec moi sur mon mur dans mon atelier. À ce moment, quand je les aurai toutes reçues, je verrai et je vous montrerai. Ah, Fifi, s'il te plaît, ne me sac plus dans la bouche. Je vous montrerai à ce moment-là comment j'aurais fait. Et je mettrai toutes vos cartes donc sur mon mur. Dans ce cas, on voit que tes fesses. Voilà, donc le concours, comme je vous ai dit, est toujours d'actualité. N'hésitez pas à vous y inscrire. Pour avoir mon adresse, reportez-vous donc à la première vidéo, au lien que je vais vous mettre en barre d'infos, pour avoir l'adresse pour envoyer vos cartes. Vous avez encore une grosse dizaine de jours pour participer au concours. Et moi, je suis vraiment très très heureuse de recevoir toutes vos cartes. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Et puis voilà. Hein? Et Fifi, arrête de montrer tes fesses à la caméra comme ça. Non mais, on veut pas voir tes fesses. C'est ton minois qu'on veut voir. C'est ta petite tête. Hein? C'est ta petite tête qu'on veut voir. Pas tes fesses. Non. Donc voilà. Bon, moi je suis encore dans les préparations du mariage. Je suis encore dans mes faire-part là. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais parce que j'ai un rendez-vous pour des soins médicaux cet après-midi. Je commence des nouveaux soins cet après-midi pour mes douleurs. Donc je sais pas si je vais, si ça va vite, je sais pas combien de temps ça va durer, donc on verra. Si je rentre vite, bon ben je vais certainement continuer mes faire-part. Et le soir en ce moment, je tricote. Voilà, je fais du tricot le soir, donc je vous montrerai peut-être ce que je fais. Voilà, au tricot, là j'ai déjà fait un gilet, un pull. Pour mon chouchou, là je suis en train de lui faire un gilet et je tricote en même temps de la layette pour la filleule de mon chouchou. Voilà, donc le soir on sait tricot. Voilà, ça me détend. Dans ce temps-là, je pense pas à mes douleurs, ça fait du bien. et puis de toute façon, pour moi scraper, il faudrait d'abord que je range mon atelier. Voilà. Et je dois préparer des petites choses, fabriquer des petites choses pour mon mariage. Là, donc je vous montrerai également ce que je vais faire. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de gros bisous. Fifi vous fait des grosses léchouilles à tous, comme d'habitude. Voilà. Hein? Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.